Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et juste avant on fait des petites dédicaces. Et petite dédicace à Inès 95, à Katia et Sophia 65, à Yasmine la star, à Amina depuis le Sénégal, à Thémis Magou et à Selma Bousina du 15e. On vous aime fort. On vous aime fort. Merci de nous suivre et gros bisous à vous. Et on savait pas quoi dire. Mais je sais pas lire. Mais j'aime pas les coloriages. Oh, j'ai trop bien fait. Allez, j'enlève tous les coloriages. Qu'est-ce que tu fais? Je déchire. Qu'est-ce que tu fais? Ça, tu sais combien je te l'ai acheté? Ou tu sais pas? Non, 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 tu arrêtes de déchirer. Hé hey. Hé hey. Bon, allez, c'est fini. Allez, lève-toi. Aïe. Aïe. Non, lève-toi. Maman, ça fait rien, j'aime pas. Arrête de déchirer, d'accord, t'aimes pas? Bah t'arrêtes de déchirer, merde. Allez, non, tu arrêtes. Et c'est quoi tout ça là-bas? C'est pas moi, c'est le chat. D'accord. C'est le chat qui a pris toutes tes affaires là et qui les a mis là-bas? Oui, il a fait. Stop, je t'ai dit. Stop. Stop. Je rigole pas avec toi, stop. Non! Allez, ouste avant que je te punisse. Vite. Vite, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire à manger. J'en... C'est parti, je vais te punir. Ok. Quoi? Tu vas où là? Bah, je suis punie. Ah, mais t'es pas au Club Med ici, hein? Eh ouais, hein, c'est pas des vacances à Concoune, hein? Bah, ça, je suis punie. Non, c'est pas ça être punie. Si, tout le temps, tu me mets là. Non, ça, c'était quand t'étais plus jeune. Je te mettais au coin et c'était pas sûrement pas comme ça. T'étais sûrement pas assise sur une table basse avec un jouet à la main. Comme ça, ça te plaît? Non, juste tu te fous de moi. Ouais. Peu. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup, ouais. Non. D'accord. Ok. Non. Faut que je trouve une solution. Parce que je pourrais la... Ok, tu vas venir avec moi, vite. Non, bah, okay. J'ai trouvé où est-ce que j'allais punir. Allez, viens. Oui, bah, tu me punis où? Allez, viens. Dans la salle de bain? Viens, je t'ai dit. Non, mais ça peut être. Quoi? T'es complètement puni de la maison, d'accord? Non, tu n'as aucun droit de prendre rien à la maison. Déjà, rien que je t'enlève pas tes vêtements, t'as de la chance. Allez, viens. T'es bizarre. Moi, je fais tout pour toi et ta sœur. Je vous ai... élevé, je vous ai grandi. Bah si je suis comme ça, ça veut dire que tu m'as pas bien éduqué. Ah oui. Bah, alors je vais t'éduquer. Alors je vais t'éduquer. Non. Ah, une araignée. Ouais, l'araignée aussi, tu vas la prendre avec toi. Mais maman, tu peux pas me mettre dehors, il fait froid. Je vais pas te mettre dehors. Bah si. Je vais mettre quelque part. Hop. J'ai pas de chaussures. Ouais, bah tu viens là. Voilà. Stop. Sérieux, maman, tu vas mettre ici? Non, ouais, mais... allez. Attends, mais non, non, je peux pas là. Allez. Je peux pas. Non, là, par contre, là, je peux pas. Non, je suis claustrophobe. Voilà. Tu restes là. Non, 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 non. Si. Attention les doigts. Voilà. Tu peux dire tout ce que tu veux, je t'entends pas. De toute façon, je vais rentrer. Je vais rentrer. Allez. Maman, t'es sérieuse? Tu m'as fermé ici. Tu te lèves toi? J'étais levée. Hein. Non, il est 13h. Mais j'étais levée. Hein. Non, mais sérieusement, j'en ai c'est marre. C'est quoi ça?
C'est au chocolat blanc. C'est bon? Je sais pas. Tu vas pas manger ça dès le matin? Mais je suis descendue, vous étiez pas là. Ah bon? Tu t'es levée à quelle heure? À midi. À midi, on était là, ma pauvre. Non, j'étais pas là. Lila, t'arrêtes de te comporter. Alors, je sais que c'est ta période d'adolescence. Oh! Non, mais je sais, je comprends, il n'y a pas de problème. Oh. Tu veux manger ça dès le matin, il n'y a pas de problème, d'accord? Moi, j'ai fait des croissants. Pas très bon. Elle est où, Léa? Ferme, ferme, ferme cette baie vitrée, là. Le chauffage, c'est toi qui le payes? Je ne pense pas. T'as marre de plaindre? Pardon, je t'entends pas. J'en ai marre déjà. En plus, t'as des problèmes d'oreilles. T'en as pas marre de te plaindre. Non, mais en une minute, tu te plains pendant 40 minutes. Nous, on en a marre quand on descend, c'est chiant. Écoute, Lila. Écoute-moi. Non, écoute-moi. C'est dur d'élever deux enfants. J'imagine. Seuls. J'imagine. Être une mère de famille seule, c'est très dur, c'est très compliqué, d'accord? Donc, j'essaye de faire au maximum. Moi, je suis une jeune maman, d'accord? Je t'ai eu, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. C'est moi qui t'ai demandé de me faire? Non, mais je dis pas que c'est vous le problème. Je dis juste qu'il faut me comprendre aussi. Que je te comprends. J'en ai marre. J'ai pas une jeunesse. J'ai pas une jeunesse. C'est pas ma faute. T'avais qu'à pas faire des bébés à 14 ans. Oui, ben je suis désolée. Je ne savais pas que j'étais enceinte de toi quand je l'ai su. Et puis ton père m'a larguée juste après. D'accord, donc t'as rêvé comme ça, Lucille. Tu dormais, tu t'es réveillée, t'étais enceinte. Arrête. C'est quoi? C'est la cigogne, elle est venue, elle t'a mis un bébé dans le ventre. C'est bien drôle ça. C'est pas le problème là, c'est pas le sujet. Depuis ce matin, ta soeur, j'en peux plus. Elle est où d'ailleurs? Je l'ai punie. Punie où? Punie quelque part où je ne l'entendrai plus. Parce que j'en ai marre. Je commence à en avoir marre. Je vais tomber en dépression. Vous allez faire quoi? Vous allez finir en foyer? En famille d'accueil, vous allez finir si je commence à être malade. Ah, elle me traite-tu? Elle a fait quoi? Rien. Rien en plus, bah super. Mais non, je fais que de ranger depuis ce matin. D'accord. Je me suis levée à 6h30 pour ranger la maison. D'accord. J'arrive, la maison est dérangée. Bordel, le bordel partout dans le salon. D'accord. Et c'était elle. Tu veux me rappeler son âge? 6 ans, et alors? D'accord. Et alors? Donc, toi, à 14 ans, tu faisais des bébés, elle, à 6 ans, elle fait ça. Voilà. C'est quoi le pire? Non, mais à un moment, ça arrête 2 secondes, hein. Quelque part où on me dans sa chambre? Non, mais donne l'endroit! Quoi, tu l'as enfermé quelque part ou quoi? Je l'ai mise dans la voiture. Toi, tu te moques de moi? Non. Mais t'es complètement folle, hein, t'as un problème mental. Vraiment, bah, alors là, vraiment, non, mais ton port de pression, parce que déjà que t'as un problème. Tu restes ici. Tu vas pas la voir. Si, je vais la voir. Tu la laisses là-bas. Je laisse mon fond de dans une voiture. Moi, tu la laisses là-bas, elle est dans le coffre. Mais t'es complètement taille. Elle est dans le coffre, tu la laisses là-bas. Elle ne mourra pas. Bon, si vous faites comme ça, vous restez toutes les deux là-bas, alors, hein, je vous le dis. Non, tu restes là-bas, toi. Non, tu la laisses là-bas. Tu la laisses là-bas. Non. Si, si, c'est moi, c'est chez moi, ici. Ramène-moi ma tablette, des bonbons. Ramène-moi un pull, j'ai froid. En plus, j'aime, Lila, allez. Il fait froid, tu peux la sortir et la prendre dans la chambre? Non, il fait chaud dans la voiture. Non, il fait froid, vraiment, il fait froid. Non, il fait pas assez froid. Bah, vas-y, va dans la voiture avec elle. Non. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi j'irai? Mais pourquoi elle irait? Parce qu'elle est punie. Donc vous me laissez tranquille, vous me laissez respirer, allez. Allez, un autre verre d'eau. Ouais. Vaut mieux que je boive ça que du vin, je te le dis. Parce que là, heureusement qu'on n'a pas du vin à la maison, j'aurais démonté la bouteille, je te le dis. J'en ai vraiment besoin. J'ai énormément de choses à gérer. Ça là, tu vas ranger. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est toi qui défends ta sœur. T'as qu'à ranger, donc. Moi, j'ai rangé depuis ce matin. Va voir. Mmh. Allez, tu veux quoi d'autre? Vite. Je veux des bonbons. Vas-y, ramène les bonbons à Arc-en-Ciel. Vas-y, ramène-moi. Ton jouet Pop-It? Oui, voilà. Ok, et des bonbons? Oui. Non, pas des bonbons, des gâteaux, genre plein de gâteaux. Non, pas plein. Plein? Non.
j'ai froid. Bah mets un pull. Hein? Tu vas salir le... Tu t'es assis sur quelque chose. Pas du tout. Si, je viens de voir quelque chose. Là, tu... Si, regarde. Mais y'a rien du tout. Si, il y avait quelque chose. Toi, t'es folle. Mais j'ai rien. Bref, qu'est-ce que tu disais? Bah mets un pull. Non. Mais tu vas pas me dire comment ce que je dois faire. Non mais attends, t'as quel âge? Je sais pas, l'âge où t'as eu un enfant. Je pense qu'il faut que t'ailles. Vas-y, bouge, je veux pas te voir. Va dormir. Bouge. 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 Allez, bouge. Va dormir, je pense. Non. C'est mieux pour toi. Allez, va. Bon, si tu veux pas y aller, c'est moi qui y vais. Hein. Qui y va, qui y vais, je sais pas. Laissez-moi un peu tranquille. Ouais, t'inquiète pas. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Pourquoi tu dis ça? Dépêche-toi, il va te voir. Pourquoi tu dis dépêche-toi? Dépêche-toi, il va te voir. Faut que tu gifles. Elle revient, elle repart, elle revient. C'est aussi ma maison, moi. Non, mais, oui, d'accord, mais tu cherches quoi cette fois? Mais mon téléphone. Toi, t'as perdu ton téléphone, alors là. Non, c'est vraiment, je te comprends pas. Bah, si, tu vois bien que t'es pas. Hein. Mais il est pas là. Il n'est pas là. M'aide pas, surtout. Mais j'ai envie de te dire quoi, il n'est pas là. Je t'en sais rien. Bah si. Ton téléphone, t'as dû le laisser dans ta chambre. Hein. Dans ta grotte, plutôt. Parce que... Dans ta pioule. Oh. Elle est où, cette tablette? En dessous, il y a la sécurité là-bas. Les queens des 2010. Poppy dans le sac. Dans le sac de Winx. Mais comment vivre sans toi? Ça y est, tu as retrouvé ton téléphone? Non, toujours pas. Mais oui, menteuse. Non, je te jure. Où tu vas? Bah, je vais peut-être dans la cuisine pour essayer de le chercher dans la cuisine. Pourquoi ça te dérange? Non, mais je veux savoir où est-ce que tu te promènes dans la maison. Je me promène où je vais dans la maison quand même. Ouais. Y'a pas des pots de LED là. Mon quoi? Avec ton LED. Ouais, mais qu'est-ce que t'as? Bah, je sais pas ce que tu fais là, mais ça me fait pas. Je me promène malgré les... Oula, il fait froid par contre, là, faudrait peut-être le fermer, hein.
Un truc à lui demander. J'ai pas de coussin, je vais m'allonger comme ça. J'ai pas de coussin. Lila ! Lila ! Lila ! Popit dans le sac. Dans le sac de... Wings. Ah, tu connais ! Ah bah alors ? Comment tu connais ça, toi ? Mais tu me prends pour une vieille, hein. Bah non, mais je sais pas. T'es jamais sur ton téléphone ? Ah bon. Je fais quoi, là ? Bah, je sais pas. Là, apparemment, t'avais des trucs à faire. Bah oui, je suis sur mon téléphone. Tu fais quoi ? Voilà, donc dis pas que t'as des trucs à faire. Si, j'ai géré avec l'avocat. Voilà, dis-le. Parce que ton père ne paye plus la pension. Voilà. Donc je suis en train de gérer ça. Tu veux savoir hein? Tu vas où? Chercher mon père. Elle repart. Tu mijotes quelque chose, toi? Oui, j'ai que ça à faire. Tiens. T'es ma fille, je te connais. Ouais. Non, je suis pas ta fille. Bah, si. Regarde, je vais faire Michael Jackson. Billie Jean, but my love, darling, but I am the one, and wanna be, but my love. C'est tes années, ça. Lila! Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Mais je viens juste lui dire bonjour. Ah bon? Mais attends, je vais venir voir ce que tu veux. C'est quoi tout ça derrière toi? Alors ça, c'est le chat. Alors tu t'as allongé les sièges? Non mais t'as... C'est toi qui lui as fait tout ça? C'est toi qui lui as fait non, tout ça? C'est pas elle, maman! C'est le chat! Pousse-toi. Les bonbons, les gâteaux, le jeu, mon coussin. Ça, c'est mon coussin de canapé. Je suis pas contente là. Là, les filles, je suis pas contente. Alors, toi, tu m'as déçue. Toi, je ne te ferai plus confiance, Lila. Et toi? Maman, la fâche pas. C'est ma faute. Tu sais quoi? C'est ma faute. Allez, dedans, toutes les deux. Non, j'ai pas mon téléphone. J'ai pas mon téléphone. Tant mieux. Tant mieux, ma fille. Allez. Allez. Arrête. Tant mieux, ma fille. Arrête. Allez. Gardez Arrête. Les bonbons et les gâteaux, comme ça vous n'allez pas mourir de faim. Oh mon dieu, je vais vite fermer cette voiture. Voilà. Au revoir. Salut mon poussin. Cette tâche, elle partira pas. Tu vois, à cause des bêtises là. Mais tais-toi, non, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu me gardes pas. Parle pas, tu restes avec tes gâteaux. C'est pas grave, maintenant me parle pas. Tu restes avec tes trucs, ta tablette, t'as même pas le droit. Hein. Crois-moi que moi, si j'ai pas mon truc. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, Léa. Léa, tu t'assois ici. Mais tu m'as aidé. Non, je vais le dire à maman. Tu t'as rien fait. Arrête. Câlin. Non, j'ai pas envie. Ah, maintenant, moi aussi, je dois rester ici. Tu me l'as cassé! Tu saoules! Oh non, mais c'est bon! Oh, j'ai pas les trucs des gens! T'as jeté le coussin, toi! C'est pas fait exprès, moi! Toi, tu l'as fait exprès! Allez, me prends. Enlève ton son, là! Enlève-le, le son! Oh!
C'est quoi? Je crois que c'est le nouveau chargeur que maman a commandé. Oh, je sais pas si c'est ça. Voilà, on a pas reçu mon truc là. Ah oui, il faut que tu lui fasses son truc, elle avait dit. Tu te rappelles? De quoi? Il faut que tu lui fasses son truc ouais, là. Je sais. Sur Samsung. Ouais, je sais. Bah, il lui faut son téléphone. C'est l'application à télécharger ou il faut juste aller sur le site? Parce que si il faut juste aller sur le site, tu le fais sur ton téléphone. Je sais pas, je regarderai. Votre troisième produit 100% remboursé, bah, c'est trop bien. Diana, elle fait quoi là? Elle est où? Je sais pas moi. Dans sa chambre, sûrement. C'est quoi ce truc? Pourquoi il y a une poupée sur mon lit? Je dis pas que c'est la poupée Annabelle quand même. Il me saoule. Pourquoi il y a une poupée Annabelle dans mon lit? Ça me fait même pas peur, hein, c'est bon. Pourquoi la poupée Annabelle déjà? Je suis sûre que c'est Nick Neve. Hey, c'est bon, allez voir. Il est où, Oreo, je trouve? Il est où? Non, j'en ai marre. Ouais, je dors, mais j'ai fait des tests ou quoi? Il est quelle heure? Il est 15h. Il est quelle heure? J'en ai marre. Meg! Eva! Vous êtes sérieuse là, les filles? Non, mais vous me saoulez. Pourquoi vous avez mis la poupée Annabelle sur mon lit là? Allez, reprends ta poupée. Mais arrête, c'est pas moi! Reprends-la. Mais c'est pas moi non plus. Tu dormais? Bah, oui. Elle était où la poupée? Je me suis réveillée, j'ai cru que c'était Oreo. Du coup, je me suis réveillée et il y avait cette poupée à côté de moi. Juste en haut de moi. Ah, trop drôle la poupée. Non, vraiment. Mais je l'ai jamais vue la poupée. Oh. Pourquoi tu mens? Non, non plus, c'est pas moi. Hein. C'est peut-être maman, mais c'est pas de moi. Maman, si elle me donne, elle me dit. Même que quand je me suis endormie, maman, elle était pas là, il y avait aucune poupée. Je sais pas, mais si... sinon, bah, t'as qu'à la jeter, je sais pas. Non, mais non, c'est toi, reprends ta poupée. Bah, va la jeter, moi. Reprends ta poupée, renvoie-la, là. Alors là, moi, je vais pas la jeter, après, elle va faire comme l'autre poupée. Elle va faire quoi? Elle va te tuer. Mais non. Mais l'autre poupée. C'est une poupée. Et l'autre poupée, tu te dis, t'as bien ça, hein. Mais t'as bien fait mal. C'est bien fait pour toi. Mais on va pas la garder. J'ai pas à voir là. Je suis sûre, c'est elle. Mais est-ce que. Moi, j'ai peur. Tu crois que je vais le prendre, le truc? Je vais même pas le toucher. Qu'est-ce qu'elle raconte? T'as pas peur de ça? Bah, si. Mais. Elle fait ça et après, quand. Elle fait ça et après, quand il va lui arriver un truc. Hé! Quoi? Tu veux essayer de me faire peur? Non. Parce que ouais, je te prends un peu mal. Franchement, en vrai, je l'aime bien, vas-y, c'est pas quand je la garde. Je la garde. Oh, mais... Bah oui, c'est qu'une poupée. Hein. Mais toi, t'as peur, on dirait. Oui, j'ai peur, bah bien sûr, j'ai peur. Regarde sa tête, en fait, elle est trop belle, elle est maquillée. Non, elle va trop belle. Elle est belle. Non, mais ça va, ça fait pas peur, ça. Le truc de gamin, là. Hein. Le truc de gamin, ça doit être ça. Je crois que c'est celle dans The Conjuring, non? The quoi? The Conjuring. The quoi? Conjuring. C'est Conjuring. Ah. Bon, tu vas jouer avec ta poupée autre part, hein, parce que... Non, là, parce que t'as peur. Bon. Assieds-toi là, ma poupée d'amour. Aïe! Oh, c'est la poupée, tu t'as fait mal de loin. Je vais avoir froid au pied. T'as faim, ma petite poupée? En fait, là.
Non, tu fais quoi avec ta poupée là? Non, je vais aller la manger, on a faim tous les deux. Comment ça, toutes les deux? Ben, on a faim toutes les deux. Mais regarde, tout ce qu'on voit. Elle te l'a dit? Oui, regarde. Oui, elle te l'a dit, à Diana, c'est bon, t'arrêtes? Non, mais c'est bon, dégage. Bon, je vais aller lui. Je vais aller la nourrir. Oh, mais tu gardes en fait! Quoi? Avec la poupée! Vous abusez comme ça. Ça me fait hyper peur. Tu te la prends et tu t'en vas. D'accord? Oui, elle a froid maintenant. Bah ouais, laisse-nous tranquille. Poupée là. Bah oui, et maintenant elle a froid, du coup elle remet. Et oui. Et puis en plus, tu mets même pas de chaussettes. Bah, froid chaud, froid chaud, froid chaud, froid chaud. Tu connais panier piano, panier piano? Et ben voilà. Panier, 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 panier. Oui, c'est pas le pire. Et puis mal. T'es sûr que t'aimes bien? Oui, j'aime bien. La dernière fois, maman m'a donné ses trous. Mmh. Avec du pain? Mmh. Waouh! J'ai failli tomber! C'est ma poupée. Tiens. Mais pousse-toi ta poupée, tu crois que je vais la sortir? Non, mais tu la dégages celle-là! Non, mais tu la dégages! Arrêtez! Dégage. Arrêtez là! Non, mais c'est ma poupée! Mais là là! Mais là là! Mais là là! Cintre! Mais je peux m'asseoir là aussi. Ah, mais tu manges pas beaucoup. Normal, tu manges que ça, tu manges pas le pain. Vas-y, fais dans un autre. Fais pour un label aussi. Non, mais déjà, on me dit s'il te plaît, non? S'il te plaît. Un non? Label. C'est pas un label. Si, ça fait un label. Alors, moi, je suis. C'est une poupée lambda. Elle recopie un label, hein. Aucun style cette poupée. C'est quoi, t'as du style toi? Ouais. Voilà. C'est à côté de la plaque. Mais toi tu l'aimais pas cette poupée déjà. Ouais. T'es arrivée, t'as fait. Qu'est-ce qui t'arrive là? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je n'en ai pas. Mais toi tu jettes à la poubelle, mais tu viens pas ici, on met de le mettre ici. T'as qu'à donner à ta Babel là. Ah, pardon, je vais donner du sale pour elle. C'est pas du tout. Mets ça là-dedans! Ah, oh, jaune pomme. Tu peux couper un morceau de pomme pour notre nouvelle sœur. Notre nouvelle c'est quoi? Elle a sorti notre nouvelle sœur. Mais alors toi? Toi tu te... Donc tu t'aimes Annabelle autant que tu nous aimes. Bien sûr, c'est mes sœurs. Bien sûr, mais on n'est pas en train de jouer à ni oui ni non. Comment tu peux aimer quelqu'un en deux secondes comme ça? C'est pas possible. T'as ensorcelé. Bah deux secondes. Mais elle en veut même pas! T'en veux, ma petite? C'est bon. Tu fais trop peur. T'as dit quoi? Okay. Arrête. Elle a dit j'aime pas. Ouais, non, c'est juste que même si tu lui sors ça, elle va dire j'aime pas, hein, parce qu'elle en mange pas. En fait. Bah, elle va rien dire du tout en fait. On peut pas manger si elle est poussée, ok? On se réveille ou on se réveille pas? On se réveille ou on se réveille pas? On peut manger. En plus déjà, moi je vais ajouter cette. Non! Si, allez, arrête, c'est bon. Je vais t'en acheter une autre des poupées, il y en a plein! Comme par hasard, tu veux celle-là! Ouais. Je comprends pas pourquoi mes soeurs croient que t'es méchante. T'es tellement gentille. Mais franchement, je sais pas, qu'est-ce que t'as fait de mal pour qu'elles soient méchantes avec toi? En plus, tu t'es fait mal. Je vais te coiffer, je vais te maquiller, on va faire nos devoirs toutes les deux, je vais te ramener à l'école, je vais montrer à toutes mes copines. Bon, allez, viens, on va aller dormir, il est 21h, il est 21h passé.
Alors ça, je pense que c'est un peu trop gros pour toi. Pour toi, je vais te mettre ça. Allez, bonne nuit. Diana! Putain, il est quelle heure là? Merde! Diana, dépêche-toi! Quoi? Il est quelle heure? Je sais pas, il doit être minuit. Qu'est-ce que ça fout dans ma chambre ce truc? Ma poupée. Ouais, ta poupée. Pourquoi tu la mets dans mon lit? Mais je l'ai pas mis dans ton lit. Oui! Non, vraiment, je l'ai pas mis dans ton lit. Promis de faire que je l'ai pas mis dans ton lit. Non. Promis de faire. Non, je sais que tu mens. Mais non. Alors, qui c'est qui m'a mis promis ça de, promis de faire que je l'ai pas mis dans ton lit. Et c'est qui m'a mis ça alors? C'est sûr, c'est Eva alors. Parce que là, je t'ai promis. Ah, mais vous êtes chiant. J'ai eu peur dans mon. J'ai fait un cauchemar et j'ouvre les yeux, je vois ce truc. Vas-y, bouge avec ton truc là et éteins la lumière. Je ferme la porte? Oui. Ok. C'est toi qui es parti dans la chambre à l'église et c'est Eva qui t'a amené, hein? Dis-le moi, je suis énervée. Après ils vont croire que c'est moi qui mets. Allez dors, fais pas des trucs comme ça, hein? Sois une petite Annabelle gentille. Avant que je te tape. Vite, bouge-toi vite. Tes blagues à 3h du matin, c'est pas possible. C'est pas moi. C'est pas possible. Tu te la prends. Tu te la prends. Promis de soeur, c'est pas moi. Non, je m'en fous de ton promis de soeur. Tu sors de ma chambre. Allez. Mais c'est pas moi. Allez, tu sors. Allez. Purée. Ouais, c'est pas toi. Dès que je t'appelle, tu te réveilles. Oh, tu tapes pas dans mes affaires parce que je vais taper dans ta tête en fait. Non, c'est pas possible. C'était comme ça avec mes soeurs. Je t'ai déjà dit quand t'as fait ça à Nekin. Là, t'as fait ça à Eva. Là, je suis vraiment triste. À cause de toi, ils m'ont crié dessus. C'est plus possible. Si tu fais ça, c'est pas possible. Je te mets dans la boîte. Allez, viens. Vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Dors bien, ma belle.
Aminatolé avec Oreo là. Ouais. Tu m'as manqué, toi. Hein? Je t'ai pas manqué? Si, trop. C'est vrai? Oui. T'es dans le salon, mamie? Oui, attendez, j'enlève ça. Parce que moi, j'ai été en vacances aussi. Hein. J'ai des choses à vous raconter. Hein. Bon. C'est quoi? Oh, c'est quoi cette. La boîte aux lettres pour le Père Noël. Oui, d'accord. Mais vous avez un souci? Vous croyez que le Père Noël il existe? C'est Megan ça. Hein. Ouais, vous avez un problème. Moi, allez, je dis qu'il n'existe pas. Bah oui, il n'existe pas. Bah oui. Arrête. Bah non, il n'existe pas. Waouh. Et ben ça change, hein. C'est pas Eva qui nous a aidés, hein. Pourquoi? Bah elle a rien fait. Bah, j'imagine que t'as rien fait. Voilà. Mmh. On la connaît. Eva. Toi, personne ne voulait que tu viennes aider. Donc, si, moi, j'ai beaucoup aidé. Menteuse, t'es venue t'appeler. Bon, ils sont où vos parents là? Je m'en fous de votre dispute. Ils sont où vos parents? Ils sont partis faire les courses. Faire les courses pour faire quoi? Pour manger. Pour faire quoi? Et attendez, c'est des vrais cadeaux ça? Ouais. Et j'espère que je suis dedans. Ouais. Je suis dedans? Oui. On t'a acheté un aspirateur parce que chez toi, c'est trop sale. Mais t'es débile? Tu me le dis? Vous m'achetez autre chose, alors déjà, t'es pas gentil parce que chez moi, c'est pas sale. C'est plus propre qu'ici. C'est plus propre que ta bouche. Je te l'explique. Ta petite bouche pleine de bactéries. Moi, voilà. Hein. Et puis, vous allez m'acheter autre chose hein, parce que là, il y a plus de prise. Mais c'est pas vrai. Tu crois que t'achètes un aspirateur? C'est bon, je rigole. Allez, on y va. J'espère que tu rigoles. Allez, on y va. Toi, t'auras pas de cadeau. Hein. Oh là là, on dirait deux gamines. Allez. Vous venez? Non mais attendez, je regarde, c'est quoi ce moi, lustre normal, on est à Versailles. On l'a fait nous-mêmes. Non mais on est à Versailles. Ah, j'ai rien fait, j'ai fait le lustre, moi ma grande. D'accord, pendant que non, mais là, on à te tourner les pouces. À te tourner les pouces oui, mais je l'ai fait moi aussi, ouais, j'ai bien fait. Allez, vous allez vous disputer. Merci beaucoup. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à ton âge. Ouais, enfin, si je suis encore plus long, parce que je pense pas. T'es un ancêtre. Hein. Je suis quoi? Un amphithéâtre, j'ai dit. Non. Merci. T'as entendu ce qu'elle m'a dit? Non, elle a dit quoi? Elle a dit que j'étais un ancêtre, c'est vrai? T'es un fossile. Non. T'es pas un ancêtre. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui est la maman de la maman à la maman de la grand-mère à la grand-mère de la grand-mère. Mais oui. Non, c'est quelqu'un de très vieux, surtout. Bah oui. Et moi, je suis très vieille, moi. Non. Voilà, alors fermez vos gueules. Allez, je vous le dis. Bon allez, c'est quoi ce jean là? Oh, c'est bon hein. Je suis allée en vacances à Bali. Je peux te dire que là-bas, pourquoi tu mens? Les jeans sont à 1,30€. D'accord, t'as pas de copine? Oui, maintenant je fume. Oui. Oui. Là, je fume des cigarettes. Ah ouais? Et je bois des verres, comme ça. Ah, faut que je te montre ce que j'ai fait, regarde mamie. Oh purée, t'es pas bête toi, hein? Ça tourne pas rond là-dedans, hein. Tu te lèves là? Mais faudrait que je fasse un test ADN avec ta mère. Parce que je pense que vous êtes trop bête pour être mes petits enfants. Non, mais vous trop belle. Non, trop bête. Elle a les yeux bleus. Et pas nous. Donc elle a adopté. Ah ouais. Non, mais à mon avis, moi je suis pas votre grand-mère. Hein, parce que moi j'étais pas comme ça, hein.
Ça, c'est la petite cuisine. Et ça, c'est ma cuisine. Tu vas passer ta vie là-bas parce que t'aimes trop faire à manger. Alors, c'est pas vous. Belle cette photo. Oh. T'aimes trop faire des trucs. Ouais, bon, attendez, tu peux te décaler de ma route? Merci. Non, mais celle-là, elle se met devant moi. Elle veut que je visite. Tu veux que je visite quoi? Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. C'est une belle cuisine hein, pour des gens qui font jamais à manger. Mais Guy, la maman, si. Hein. Oui, bien sûr. Allez. Tu crois qu'on mange quoi? Du bois? Ouais. Bon, elle est belle. J'ai quelque chose à vous demander. Allez. Apparemment, il y a une chambre. Il y a une chambre pour moi. Oui. Parce que je vais un petit peu habiter ici. Moi, oui, vite fait. Non. Bien fait. Oh, maintenant, tu peux la montrer. Allez, tu peux dégager. Mais je peux montrer parce que t'as montré tout à l'heure. Bah, vas-y. Oula, il y a de le feu en l'air. Devinez, j'ai mis de qui? Devinez, j'ai mis de qui? Non, je galère pas autant, ma belle. Ok, bah, tu fais comme ça. Pas du tout. Là, c'est la cave. Là, c'est la salle de bain de papa et maman. Mmh. Et là, c'est la chambre de papa et maman, mais papa, il dort. Oui, dans tous les cas, je veux pas voir. Je m'en fous, je veux voir ma chambre. Je vais te montrer ta chambre. Là, c'est la salle de bain de moi et Eva. De moi ou du bras ou de toi et Eva. De toi et Eva. De toi et de moi. Je comprends plus rien. Eva et de moi. Bon, c'est à ses caisses, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. D'accord, bon, bah, très bien, allez. Eva, elle est ici et moi, je suis ici. Côté. Allumez la lumière, non, je m'en fous. Okay. Et là, c'est. D'accord, je m'en fous. Allez, ma chambre. Ah, je peux présenter ma chambre, j'ai pas le droit. Oui, oui, okay. Non, mais vous avez un problème. Oui, oui, oui. Allez. Ça, c'est ma chambre. Non. C'est ma chambre. Oh, bien. Elles sont grandes, tes chambres. Hein. Bon, pas la peine. Oh. Pas la mienne, elle est petite. Vraiment très belle. Bon, allez, j'ai hâte de voir ma chambre. Ouais, c'est quoi? Ah, c'est dressing. Dressing, de Eva et Nelly. Bon, bah, très bien. Attendez, je vais faire un peu. Aïe. Ouais. Vous avez bien rangé les vêtements. Hein. Je suppose que c'est pas toi. Passons à la chambre. Mais oui, ça doit être ta mère. Et toi, tu sais passons pas ranger. Passons à la chambre. Oui, dis-moi. Oh, waouh, la lumière. La lumière allumée, c'est Versailles ici, tu crois? Bien sûr. Ah non. Et maman, elle va me changer le bureau et elle va mettre un grand bureau de. Elle l'illustre, elle est beau, mais fait mal aux yeux. Et comme ça. Et après, elle va mettre des étagères comme ça. D'accord. Très et ça va se faire. Bon, allez, je m'en fous. Ma chambre. Là, c'est la chambre de Ney. Bon, ma chambre, en fait, c'est ça ma chambre. C'est ici. Ça. Ah, mais, ah, d'accord. Ça, bon, vas-y. Je vais lui montrer. Elle est où, Ney, d'ailleurs? Kevin, elle est allée faire les. Qui sent la bougie, bien sûr. Tu peux mourir, hein. Tu viens ici, c'est l'anniversaire de 10 personnes en même temps. Oh purée. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le bordel. C'est pas fini. C'est parce qu'elle a pas fini sa chambre. Et regarde là quoi? La PS. C'est quoi? C'est un jeu vidéo. Laisse tomber. Oh ouais, j'ai vraiment. On joue à des jeux vidéo, non mais vous êtes pas des garçons. Oh là là. N'importe quoi. À mon époque, c'était pas comme ça. Hein. Mais ça a pas. Des zombies. Oh, je te parle. T'es un garçon? Ouais! Pourquoi tu t'es habillé comme ça, toi? C'est quoi ce maillot? Tu connais pas? Moi, j'ai ta vie, moi, j'ai mis quelque chose de bien. Et voilà, ça c'est bien ça, un truc bien. Qu'est-ce que tu me racontes? Fais un bisou. Dégage. T'es c'est quoi? Dégage, je vais t'en mettre une. Le club. D'accord, t'es un mec, toi. Allez, elle a un problème. Sors de là! Sors de la. Ah ouais, elle a une salle de bain aussi. Non, tu te fous de ma gueule. Si. Tu te fous de ma gueule, elle a une salle de bain. Ouais. Attends, je non, on va pas voir. Si, je vais voir ça, je m'en fous, moi. Non, mais... Oh, la salle de bain. Elle est bien, cette maison, hein, dis donc. J'ai hâte de voir ma chambre. Allez. Ah, on va être bien ici. On va très bien vivre ici. Moi, je vais tout le temps vivre ici. Vous allez, allez. Ah, c'est gentil, vous me laissez ouvrir. Non, mais ouvrez-moi. Allez. Ouvrez-moi, je suis la princesse aujourd'hui. J'ai pas envie de regarder, je sais que ça va trop me plaire. Non, c'est beau. Quoi? Tu te fous de ma gueule là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette merde? Quoi? Elle est bien mamie pour ton âge. Bah oui. Regarde. Ah, donc moi je vais mourir dans 10 ans. Dans 10 ans je vais mourir et je vais devoir regardez la petite là de 8 ans et demi, je sais pas t'as quel âge et toi de 13 ans là. Quoi? Je vais devoir vous regarder dans des lits de stars,
dans des lits comme ça qui prennent tout le mur et moi le lit on voit même pas la tête de lit, on sait même pas si c'est un lit ou si c'est un canapé. Non mais qu'est-ce que c'est ça, ça c'est les... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais expliquez-moi. C'est le jeu de Diana. Vous croyez que je vais jouer? Non. Alors tu vas dégager tes jeux déjà. Non. Si. Non. Si, tu les dégages tes non, jeux de ma chambre. Non, j'ai pas de place dans ma chambre. Je vais mettre ça ici. Alors là, moi je dors pas ici, je te le dis. Moi, vous me changez de chambre. Pas. C'est quoi ces rideaux moches? Vous, vous avez des beaux rideaux, vous êtes là. Et moi, vous mettez ça? Vous avez pas honte? Oh là là. En plus, tu te couches dans mon lit, dégage de mon lit déjà. Non, t'as dit que tu dormais pas là. Oui, je vais prendre ton lit à toi. Voilà. Lol. Je vais prendre ta chambre. Lol. Regarde toi. Tu prends mon lit, t'es bien ici. Mais oui, mais t'imagines, j'ai ce lit, je fais la taille du lit. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est quoi ce bureau? J'ai l'âge de travailler sur un bureau, moi? Ou c'est pour vous encore que vous avez mis ça? C'est le bureau de la famille. Ah bah oui, le bureau. En fait, ma chambre, c'est la chambre communale. C'est la chambre des bénévoles. Non, c'est la chambre des invités. Chambre, bureau, table de jeu. Alors toi, t'es méchante. Ah oui. Ah si. Ah oui. Je reste pas ici, hein, je vous le dis. Je veux pas ta chambre, ça y est, toi. Ah, elle est trop petite. Ça fait 5 mois qu'on a fait nos travaux, qu'on a refait nos chambres, qu'on a tout fait. Je veux pas venir et tout gâcher en fait, alors qu'on a fini la maison. Ah non, je gâche pas tout, je veux juste changer de chambre, j'ai d'accord, le droit. D'accord, il y a toutes mes affaires là-bas, Negin a toutes ses affaires. C'est pas grave. C'est notre déco, c'est notre chambre. Non, j'aime bien la déco, avant tu peux la laisser. Cette maison, c'est la nôtre, hein, pas la tienne. Hein, non, mais avant que ce soit tes parents, c'était mes enfants. Ah bon? Les deux, c'était tes enfants? Non, c'était pas les deux, mais ton père, il compte comme mon enfant, hein, je te le dis. C'est comme ça dans la tradition de la famille. Donc, avant que tu sois née, c'est moi qui ai née ta mère. Ouais. Et si t'as ça, c'est grâce à moi déjà, parce que c'est ta mère c'est que j'ai née. C'est ta mère, alors. Voilà, que j'ai fait naître. Oui. Ouais. Donc, tu me donnes ta chambre, t'as je te le dis. T'as qu'à te parler avec maman. Oui, bah oui. Maman, elle va pas te donner ma chambre. Ben, je vais prendre sa chambre. Je m'en fous, moi je prends pas celle-là. Moi, si je prends celle-là, je vais sauter par la fenêtre, là, je te le dis. Après, vous allez vous pleurer toute votre vie. Voilà. J'ai le hoquet. De quoi? Bah oui, t'as le hoquet, t'es tellement choquée de ma chambre. Oui, regarde ce tapis-là. Et c'est quoi cet aspirateur dans ma chambre? Peut-être, t'as des goûts de luxe, c'est ça? Non, mais non, si. Et attendez. On peut parler de ta chambre chez toi? On peut parler de ta chambre? Vous avez. Non, mais. Quoi? C'est pas mes affaires, ça. Non, c'est les affaires de maman. Non, mais tu te fous de ma gueule. Je les mets où, mes affaires, moi? Sur ta tête, à toi? Attends. Dans ta maison, ta chambre, elle est comment? Elle est très belle. On peut en parler de ta chambre? Elle est très belle par rapport à la maison. Alors, là, elle est moche par rapport à toute la maison que vous avez. Non, mais... Va te laisser une place, hein. L'armoire elle se ferme même pas. Bref, tu fais ce que tu veux. Non, mais tu seras pas dans ma chambre. Tu fais ce que je veux. Je peux te le dire que moi je reste là. Non. Là. Non. Alors, aïe. Il est où ton lit, hein? Bah oui, tu peux pas dormir là, tu vas avoir la tête qui tourne. J'en ai marre, moi. Moi je reste là, regarde. C'est quoi ces petites lumières, table de nuit avec tes petites lumières? Regardez, vous avez mis des lumières partout au plafond, on dirait des petites étoiles, on dirait qu'on dort à la belle étoile, je te le dis. C'est pas ton âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Moi je voulais une belle chambre. Tu moi, veux je la pense. Chambre parce que je suis dans le bas. Bah pourquoi tu demandes alors? Parce que je te donne pas. Allez, je vais aller dans le chien, stop maintenant. Voilà, stop, c'est vrai. Allez, sortez. Sortez, moi j'ai envie d'être tranquille dans ma chambre. Allez. Oui. Porte de sa chambre. Exactement. Porte de sa chambre. Qu'est-ce que t'as, toi? Toi, déjà, sors de ma chambre. Non, c'est ça. Sors de ma chambre. Oui, tu dois rester dans ta chambre, même. Non, vous sortez toutes les deux de ma chambre. Sors de sa chambre. Sors de ta chambre. Non, sors de ma chambre. Sortez de ma chambre. Allez. Non, c'est toi, sors de ma chambre. Tu sors, mamie. Non, c'est toi qui sors. Sortez de la chambre. Toi, t'abuses. Non, mais c'est ma chambre ici, s'il te plaît. C'est la chambre à Oreo. C'est bon, moi je parle plus. Allez. Elle est partie dans sa chambre. Je vous la vois. Non. Non, moi je fais tout. J'ai tout fait pour une chambre de merde.
super. Moi, je reste ici. En plus, il y a une télé, je vais pouvoir regarder les infos tous les soirs tranquillement. Normalement. Eva, Eva, Eva. Non mais, sors de la chambre de Negin. Allez mamie. Sors de la chambre de Negin. Est-ce que tu t'appelles Negin? Tu t'appelles Negin? Mon deuxième prénom c'est Negin. Non, tu t'appelles Negin? Bah, Negin, elle va voir ça, elle va péter un câble. Vas-y, donne ton téléphone, on va filmer mamie. Dégagez de là. Eh, tu sais que dans sa télé, elle peut voir. Non, elle peut rien voir du tout. Si, elle peut voir grâce à ça. Tu me prends pour une bête, allez. Allez, viens mamie, va dans ta chambre. Mais elle est moche, ma chambre. Mais non, elle est magnifique. Non, vraiment si. Pas. Vraiment pas. Si. Va dans ta chambre, au pire, maman, elle changera ta déco. Mais va pas dans la chambre de quelqu'un d'autre, ça se fait pas, mamie. De quelqu'un d'autre, je peux te dire que c'est regarde, ma petite fille, hein. C'est la chambre de ma petite fille. Elle a fait n'importe quoi, regarde, elle met des pommes bleues dans sa chambre. Oui, c'est moche, hein. C'est vrai. Des pommes bleues, au moins qu'elles soient rouges. Tu vois bien qu'elle met que des bougies, c'est pas bien, toi, pour faire l'aspiration. Mais je vais les éteindre, les bougies. Oui, oui mais non, c'est des bougies qui peuvent pas s'éteindre. Fleur bleue, c'est moche. Oui, elle est débile. Elle est débile, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois bien que la chambre, elle est tout en bleu. Allez, viens. Bah comme oui, pas le bleu en plus. Negin c'est un garçon, c'est bah le oui, bleu. Le bleu c'est pas pour les garçons. Bah si, à mon époque on portait pas du bleu les filles. Regarde, moi je suis une fille. Non, toi aussi t'as du noir. Toi aussi hein. Et toi aussi t'as mis du bleu. Bon, je suis malade, t'as vu. Non, j'avais du bleu. Bon, tu te tais, j'ai le droit à moi. Laisse-la, allez regarde. Oh, c'est horrible, là je me sens pas bien ici. Oh, regarde ces petits, oh là là, vois. C'est super joli ça. Regarde, si tu veux, je te fais des tresses à ton échelle. Non, merde. Ah. Ça, je te est-ce que nous, on a une aussi grande table de nuit? Non, mais c'est nul. La chambre. Oui, ben prends-la, ma chambre, si j'ai de la chance. Ouais. En plus, vous avez mis le bureau dans ma chambre, les jeux de je Diana. De place, au moins, dégagez ça. Non, au moins, moi, je te laisse. Enlever tout ça. Je te laisse découvrir ta chambre et tu parleras avec maman. Écoute. Oui, t'as même un aspirateur de l'armoire, il y a des choses, moi ça me dérange. T'as même un aspirateur qui aspire tout seul. Ouais, mais je m'en fous de ton aspirateur, tu peux te le mettre dans ton cul. Bon, au revoir, Ben. À jamais, à tout à l'heure. Bah oui, laissez-moi seul. Dégage. Ils ont vraiment fait leur vie. C'est quoi tout ça? Ils m'ont même pas laissé. Regarde, mais qu'est-ce que c'est? Je m'en fous, moi, de tout. Regarde. Oh, mais c'est une blague, quoi. Je vais partir chez moi. Je suis mieux chez moi. Dans ma petite campagne. Cette écharpe là, je vais la coudre comme ça parce qu'elle commence à me saouler. Voilà, je me casse d'ici. Je me casse. Bon bah, bisous. Votre bisou, vous pouvez le mettre dans votre. Voilà, merci. Au revoir. J'ai plus de boîte aux lettres, je vais mettre ça devant chez moi. Je m'en fous. C'est quoi ce truc? Ça, je leur laisse, c'est de la merde. Dans sa bouche, elle a gagné. Vas-y, je t'en mets 10. C'est bon, tu vas gagner, on sait. Non, mais c'est une dinguerie. Ah. Elle sait que tu veux gagner. Je suis désolée pour toi. Que tu non, mais soit elle gagne, soit tu t'étouffes et tu meurs. Donc, bon. Vous pouvez pas essayer. Tout ça, et tout comme ça. Hein? Tu le connaissais? Non, mais viens, on va jouer au truc comme avant, tu faisais avec.
moi. Je veux qu'elle regarde. Parce qu'elle, elle a un gros esprit de compétition. J'avais pas arrêté à lire. Je l'ai déjà raconté. Vas-y. Un, deux, trois. Vas-y. Non, tu fais. T'as vu comment elle fait, elle a un pro. J'ai 9 ans. J'ai 9 ans. J'ai pas. Oui, calme-toi, toi aussi. 15 ans. Non, mais t'as un problème, vraiment. T'as un problème. Non, mais je suis désolée. T'es pas gentille. On fait ça tout le temps. Un. C'est pas bien pour mes bagues. Donc j'en ai trois. Un. Non mais arrêtez de faire ça. Deux. Et toi déjà ta bouche est rendue à... Non. Trois. Diana arrête, tu vas te faire mal. Hein. Diana, trois. Non, faites pas. Arrête-toi. Dis que t'as perdu, c'est bon. Quatre. Allez, arrête. Un. Oui, tu vois bien, elle a une grosse bouche, elle a une grosse bouche en face. Une grosse face. Allez, stop. Une grosse face. Vous arrêtez de manger ça, après vous n'allez pas manger. Les vagues, c'est une grosse face. Je suis la meilleure du monde. Namasté. Non, mais... Elle mange quoi, son nom? Allez, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Vas-y, là. Hey, devinez, ça c'est à qui? Devinez, ça c'est à qui? Je sais pas. Maman. C'est... Bah, en vrai, on a fait tous les deux comme ça, juste. Toi, t'as fait comme ça. Allez. C'est toi. Oui, c'est ça, tu pourrais ouvrir. Non, ah, j'ai mal. Diana va ouvrir, c'est sur vrai. Vrai. Non, parce que... C'est bon. Le livre. Non, c'est pas moi. Tu vas la chercher par sa place. Là, là. Toujours la grande. C'est lui qui va à la chambre. Vas-y. C'est qui? C'est personne. Oh. C'est qui le gros débile là qui sonne? Il y a un colis. Mais je sais pas, il y a personne. Un colis? Fragile. T'as commandé un truc? Commandé non! Un truc. Mais je vais transformer. Mais non, pourquoi je vais le vendre? Parce que j'ai pas le vendre, j'ai pas fait mon pipi du matin. Ok, d'accord, mais c'est les voisins, ça. Oui, ça, c'est les voisins. Tu... On le laisse où? Là. Tu dis à maman de... que c'est pour les voisins, ok? Ok. Comme ça, on touche pas ça. Tu vas où? Hein? Tu vas dans ta chambre? Ouais, je pense que je vais monter. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Chucky, oh j'aime trop, oh, c'est trop beau. Ça je vais le garder parce que j'aime beaucoup et je vais mettre un autre truc. Ça. Ses cheveux sont trop beaux. Oh, il est trop mignon. Mais t'es mimi. T'es trop mignon, je vais le mettre dans ma chambre. Oh. Ah, ma tête. Ah. Jolie cette maison. Dommage, je vais tout détruire.
Je déteste les fêtes de Noël, l'amour. Enfin, je suis libre. Après tout. Où êtes-vous? Diana, t'arrêtes de faire du bruit comme ça. Elle est insupportable. Diana! Arrête doucement ma porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade, hein, ma pauvre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu fais? Diana? Qu'est-ce que tu fais? Eh, Diana, arrête ça, hein. Negin, dis-lui, oh! Non, arrête, 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 arrête! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ouais. T'es débile, va! Diana! Oh! Mais quoi par terre, mes lunettes? Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Vas-y, descends! Laisse-moi! Laisse-moi! Oh là là! Allez, viens! Qu'est-ce qu'elle fait, Diana? C'est pas drôle, hein! C'est pas drôle, hein. Diana, c'est pas drôle, hein. Arrête. La force. Arrête. Aïe, 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 aïe. Aïe. Diana. Diana. Je comprends même pas ce qui t'arrive. Je comprends même pas ce qui t'arrive, oh. Diana. Arrête. Non, non, ne fais pas ça. Il est quelle heure? Je suis où là? Je suis dans le salon. Ça va? Bah oui. Moi je m'ai habillée comme ça. C'est pas bien. Bah, c'est qui? C'est toi? Non. Bah si. T'es arrivée dans notre chambre comme ça. T'as voulu nous taper. Ah bon? Mais pourquoi tu manges tes cheveux? Je vais t'entendre dormir. Mais non. C'est vrai, je ne sais pas à toi. Essaye de te rappeler de ce que t'as fait. En dernier, en tout dernier, t'as fait quoi avant de t'endormir? T'as fait quoi? J'avais pris, tu vois, dans ce carton que tu m'as dit, maman. Le colis des voisins. Mmh. Bébé. Il y avait une pop. Il y avait non, une mais pop attends, t'as ouvert le colis des voisins déjà? Oui, je voulais trop savoir, désolé. C'est dingue, ça. J'ai ouvert, il y avait une pop, Chucky. Et alors, en fait, dedans, je savais que t'allais voir qu'il était trop léger. Du coup, bah, j'ai mis ça. Elle est où la poupée? Bah, en fait, la poupée, elle est là. Et en fait, la poupée, elle était là. Mais... Bah, elle est où? Bah, je sais pas, elle était là. Mais c'est toi, la poupée. Si, elle est... T'es devenue la poupée. Non. Chance, Diana, vite. T'as quoi en dessous là? T'as des vêtements? Non, j'ai ça. Diana! Arrête de mentir! Diana! Stop! Stop, Diana, stop! C'est nous! Nous, on est des Guinée et Eva! Oh, on est tes sœurs! On est tes sœurs, Diana! Diana, on est tes sœurs! Oh! Il a où tu es? Arrête, stop, s'il te plaît, stop, stop. Pourquoi est-ce que ça lui a enlevé ses vêtements? Diana, calme-toi. Diana. Chucky. Arrête, tu fais peur, là. Tiens, je te redonne. Tiens, je vais te redonner.
C'est bon, c'est bon. C'est quoi ce bordel? Yana? Quoi? Ça va? Je suis trop fatiguée. Allez, viens, lève-toi. Ça va bien. Allez, lève-toi. Oh, t'as les mains toutes pleines de rouge. Viens. Lève-toi. T'as mal? Attends, il y a un truc dans les... T'as mal? Je t'étouffe pas, moi j'ai peur. Quand je te dis de pas ouvrir le colis des gens, tu l'ouvres pas en fait. Je te l'ai dit en plus. J'arrive à dormir, monte. Allez, lève-toi. T'as mal partout? Bah ouais, tu sautais comme un kangourou tout à l'heure. Pourquoi un kangourou? Bah, comme un kangourou, ouais. On aurait dû te filmer. Comme ça? Non, non, non. Pire que allez, ça. Va! Oh! Oh, ouais, Oreo. Oh, allez, on va brûler ses vêtements. Pourquoi les voisins, ils ont commandé une poupée Chucky? C'est n'importe quoi. Hop, ça va. On a tout brûlé, même le carton. Comme ça. Tant pis, on dira quoi, on dira au voisin. Pourquoi t'as mis ça toi? Non mais non. Va dormir, on a dit. En fait, t'as pas envie que ça prenne un truc? Non. C'est ma maîtresse qui m'apprend un truc. T'as trop la haine quand je t'apprends un truc? Non. Si. Non. T'as trop la haine. Juste parce que je t'apprends un truc. Non, c'est ma maîtresse qui t'apprend un truc. Et MDR, t'es vraiment bizarre. Alors pourquoi tu viens des fois pour tes devoirs? Bah pour que tu m'aides. Ta maîtresse doit pas bien t'apprendre, hein. C'est mes amis, c'est sûr. Coucou. Et bonjour. Vite, je prends tout de suite, vite. Non, j'en veux pas. Vite. Pas bien. Aïe, je sors de l'ostéopathe. Je vais ramener la galette des rois. Ouais. La galette des rois. Les rois mages. Les rois. Non. Ah, pue. Ça pue. Oh, toi aussi, je suis trop. Ah oui, moi je déteste ça. Oh. Et je pense que c'est de moi que tu tiens ça. Ah ben merci de me faire un cadeau. Tu arrêtes de l'embêter, ta grande sœur. Je t'ai sauvée d'une clémentine, ma chérie. Oh, elle fait moins bien. Regarde, il y a qui? Tu me fais un bisou à la mamie. Coucou, Maya. Pourquoi tu fais genre? T'as peur? Ah ben non, moi je l'apprivoise. Vas-y, hein. Vas-y. Salut, Maya. Salut, Maya. Ah. Ça me connaît plus? Quoi alors? Bon. Les gamines. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? C'est ça? Oui. Oui, ben c'est pas bien. Elle s'est fait battre par le chat. Elle a l'habitude. Bon. Allez, on fait la galette des rois. Là. Allez. Il faudrait faire la sortir. Vous êtes contente que je vous ai ramené la galette des rois? Non, par contre, tu vas tricher. Qui fout? Ouais, mais c'est moi qui fout. Non. Ah non. Nous, on coupe. Toi, tu te mets en dessous de la table. Ok. Ouh, il y a un chasseur. Dis donc, il y a un chasseur ici. Je sais pas. Le chasseur sachant chasser part chasser sans son chien. Regardez la couronne. Il n'y a personne pour l'instant. Vas-y, ramenez un couteau. On touche pas la couronne. C'est moi qui coupe alors là. Oui, mais vous fermez les yeux. Vas-y, vas-y. C'est pas moi qui vais sur la table. Comment ça, je coupe et je ferme les yeux? Non, tu vas tricher. Moi je triche. Toi tu triches. Mais j'ai 83 ans. Non, t'en as 5 dans ta tête. Non, mais je vais pas tricher. Tu crois quoi que moi je vais. Tu sais pourquoi tu vas tricher? Tu veux que je te dise? Quoi? Prends la couronne. Pourquoi? Rentre pas. Parce que t'as payé la galette. Ah non. C'est une radine. Moi, j'ai acheté ça pour vous. Hein. Oui. Ah non, oui. C'est juste parce qu'elle veut la couronne. Non, moi, je m'en fous complètement. Bah oui, Rami, c'est pas du tout une tricheuse. Moi, je m'en fiche. Je veux pas la couronne, je veux la fève. Bon, vous fermez les yeux et vous me dites non. Pas non. Quoi, non? Moi, je ferme pas alors, les yeux. Alors, comment on fait alors? Bah, nous deux, on est là et normalement, c'est la plus petite.
met sous la table et qui dit. C'est mamie. On a de tête. Bon. Déjà, je vais couper. Je la coupe en combien? En 3. Non, ça sent la fraise, hein. Pas du tout. Ouais. Mais toi, t'as un problème avec moi. Moi, je sais couper en 3. Non, c'est pas comme ça qu'on coupe en 3. Mais bon, c'est pas grave. Là, t'as coupé en 4. Mais oui, mais parce qu'on est que, on est que 3. Donc, il vaut mieux couper comme ça, sinon il y aura la on peut couper non, en plusieurs, ouais. Bah non, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut pas tricher, vas-y. Alors, cette part, elle mais est vous pour... voulez pas aller chercher... Il est où ton téléphone? Téléphone. Oui. Comme ça, il y a le mien. Non, mais ça, c'est le mien. Va chercher ton téléphone. Non, il est en haut, il charge, non? Bah alors, va chercher le... Non, c'est rien moi. Chercher. Diana, tu vas sous la table? Allez, Diana, va. Moi, je vais aller pour toi. Ok. Quoi? T'as touché, c'est pour toi. Hein. Ah non. Ah, c'est comme ça que ça marche. On touche, c'est pour nous. Non, mais moi, je voulais... Non, je touche pas. Mais c'est pas moi qui choisis. Vas-y, mets-toi dessous. Celle-là, c'est pour attends. Qui attends. Quoi? Je suis pas prête. Mais c'est pas toi, hein, c'est elle. Je prends des boissons, ça va. Il y a du jus de pomme. Avec, tu fais quoi? Oh, tu lui demandes. Allez, je vais lui demander deux secondes. Bah, allez, demande-moi la celle-là, à qui? Oh, celle-là, à moi. À moi? Oui. Celle-là? Oui. Ok. Vas-y. Vas-y, dis à toi. Celle-là, à qui? Vas-y. Eh, hey, tu celle-là vas sous la moi. Table. Oui, mais tu vas sous la table. Celle-là, à moi. D'accord. Bon, celle-là, après, il y a des donuts en plus. Non, en fait, finalement, à Eva, celle-là. T'as pas le droit de changer. J'en ai marre. Non, Eva. Vous me saoulez. Mais surtout, moi, je peux pas tricher. La seule personne qui peut tricher, c'est mamie. Mais non, oh, mais. Il y en a plein, me dit que moi je dois tant avoir pis, la bonne dernière. C'est bon, mamie? Hein? T'as réussi? Non. C'est pour qui là, l'assiette? Non, mais ça me stresse. Tu veux que je le fasse? Non, mais j'en ai marre. Bon, vas-y, on recommence. C'est bon. J'en ai marre. C'est bon, allez, va sous la table. Celle-là, attends, je tourne. C'est bon. Moi, bah alors je peux, on prend chacune une gueule. Non, tu vas sous la table, dépêche-toi. Mais ça me fait mal au dos. Ouais, tu t'assois, voilà, tu fais ça. Bon. Ben j'arrive pas à voir. Tu veux pas avoir quoi, la fèvre? Non, je m'en fous de la fèvre. Ouais, bon, allez. Alors attendez, vous m'attendez, je vais chercher un truc. Bon, viens là-bas sous la table. Non, attendez. Viens là-bas sous la table. Alors ferme les yeux, au moins tu fermes les yeux. Ok. Voilà, j'ai ramené ma fèvre. Comme ça, je vais dire que c'est moi qui l'ai. Ok, là, ferme les yeux. Allez, viens. Non, mais je d'accord, tu vas pas faire comme ça, comme ça. Toi. Non, mais. Bah, oui, voilà, ouais. Ouais. Ferme les yeux. Alors. Celle-là, ah. Elle est pour qui? Pour moi. Allez, hop, tiens. Celle-là, elle est pour qui? Non, c'est moi qui fais. Celle-là, elle est pour qui? Pour. Toi. Okay. Et celle-là? Pour toi. Allez. Bon appétit. Bon appétit. Non, mais il faut la manger, la galette. Hein. Mais je l'ai pas, c'est bon. Hein. Mais quoi? J'ai triché. Oui. J'ai dit, oh, pif. Elle n'est pas bonne. Ouais, mais... Vas-y. Mais j'ai trop peur. Mais dis pas qu'on a touché la seule où il n'y a pas. Je l'ai. Non, mais non, il ne faut pas toucher. Là? Oui. Ah bon? Ah non. Ah mon fruit est là. Mon fruit est là. Non. Mm-hmm. C'est pas normal. C'est impossible qu'il y ait une couronne et deux galettes. Et deux fèves. Vous êtes des tricheuses. Il y en a une qui a triché. C'est moi qui ai la fève. J'ai déjà vu cette fève. Elle vient d'où cette fève? C'est la mienne. Non, c'est ça. Elle était dans ma galette. Je l'ai pas inventé la fève. Hein. Si. Il n'y a pas de fève là-bas, il y avait exactement la même là-bas. Mais non, c'est la mienne. T'es une grosse tricheuse, mamie. Tu lui donnes la couronne, mamie. Mais non, c'est la mienne. C'est la fève qui était là. Ah, pas du tout. T'es malade, t'es complètement folle. Pas du tout. Oui, pas du tout. Bon. T'as gagné une fois, elle a gagné une fois, c'est bon. T'as gagné une prise. Ah oui. T'arrives pas à tricher.
Non, à cause de toi. J'ai rien fait, je regardais le frigo. Mais c'est parce que la gueule, je voyais pas ce qu'elle était où, la fève. Du coup, j'ai eu deux fèves. T'as eu la couronne? Non. Mais donne-moi la couronne. Non, et j'ai les deux fèves. Tu prends soit la fève, soit la couronne? Je prends les trois. Non. Couronne, fève, trois, couronne, trois, fève, couronne, trois, fève. Trois. Bon, tant pis. Ah. Ouf, elle est là, pas bonne. Allez, en plus, je l'ai mise à l'envers, la couronne, là. Merci. Mais t'as truché, Diana. Mais... J'étais en train de fermer les yeux. Non, mais moi, pourquoi alors, moi, j'ai eu la fève? Parce que tu l'as volée. Oui. Ah non. Mamie. Elle était vraiment dedans. Je me suis même cassée la dent avec. Ok, le diète, on n'a pas. Mais... Je l'aurais pas mis carrément dans ma bouche. Je suis pas une vicieuse non plus. Ok, du coup... Bah, t'as gagné aussi, juste t'as pas de couronne, quoi. T'as rien. T'as... Pourquoi moi je n'aurais pas la couronne seule? Parce qu'elle l'a eu en première. Ouais. C'est celle qui l'a en première dans sa bouche. Moi je l'avais eu en première, c'est juste que je savais pas que c'était la faible. Oui, bon, je vais essayer. Non, bah si tu sais comme ça, tu n'as pas le droit de manger la galette. Non, pas! C'est ma galette. Voilà. Allez, prends. Non, mais oui, tu vas pas ramener ça, c'est bon. Vous abusez là, vous abusez pour une galette, on dirait deux gamines. Ah, c'est pas ce qu'on a l'air du Non. C'est pas la reine. Donne la couronne. Non. Donne. Non. Donne. Non, moi je l'ai eu. La fève. Ouais. Yeah. Sacre mamie reine. Aïe, j'arrive pas à courir moi. C'est pas moi qui l'ai. Arrête, tu donnes à mamie. Et la reine, c'est mamie. C'est bon, tu l'as eu. Tu l'as eu, mamie, donne, redonne lui maintenant que tu l'as eu. Attends, je me regarde dans le miroir. Elle, elle se regarde dans le miroir. Est-ce que vous pouvez envoyer une photo à Bernard? Vous pouvez envoyer une photo à Bernard? Non! Allez, redonne! Wow. Lâche-moi! Tu vas la laisser pour la photo? Mais c'est bon, arrête de faire la gamine là! Waouh! Wow. Vous pouvez me faire une photo pour Bernard? Oui, et après tu la redonnes? Oui. Voilà! Ok, vas-y. Ok, nickel. Elle vient. Tu fais une photo pour Bernard. Je vais lui dire je suis ta reine. 2, 3. Ça me gêne par contre, on va se rappeler. 4. Arrête! 5. Laisse 6, tranquille. Ouais, t'es pas gentille. 7, 8, 9, c'est comme ça. 10. T'arrêtes! Oh, la mauvaise photo? Non, ça fait quoi? Non, c'est elle, c'est pas de ma faute. Mon dieu! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va me quitter. Elle va me quitter. À cause de toi. À cause de toi. Allez, tiens ta couronne. Voilà. Et bibi, c'est des confettis. Joyeux anniversaire, Diana. Je m'en fous. C'est plus important. Et toi, t'aurais pas pu faire attention. Tu voulais juste gâcher ma relation. J'en ai fait plein. Regarde. Là, elle était bien, celle-là. Mais c'est celle-là qui s'est envoyée. Surtout qu'elle fait ça. Faut que j'aille le elle voir. Elle fait un pistolet dans la tête. Oui. Quoi? Je vais le voir. Arrête de ça. Salut. Non, toi tu me dis pas au revoir. Au revoir. Comment c'est quoi ça? Allez. Fais ça. Moi je l'avais fait. Ça va tomber, Diana, ça va tomber. Moi j'avais fait. Je vais t'en mettre une dans ta tête. Essaye pour voir. Je vais te raser les cheveux. Essaye pour voir. Ouais, ben on verra. Le jour où je vais le faire, tu pleureras pas. Hein. T'es méchante avec mamie. Eh mais les filles, j'avais qui là? Mamie. Vous n'avez pas pensé à me le dire? Ça va très bien qu'elle venait, arrête. Mais pas du tout, mais oui, mais je savais pas qu'elle venait à cette heure-là et je pensais pas qu'elle allait partir vite. Bah, elle est venue faire la galette de roi, Diana, elle l'a saoulée et bah, du coup elle a pété un câble. Tu sais ce qui s'est vraiment passé? Mais c'est qui pleurait là? C'est mamie. Mais non. Mais si, parce qu'en fait, j'avais eu la fève.
Tu vois, et elle, elle a vu que j'avais la fève, du coup, elle a mis cette fausse fève qu'on avait déjà dans sa bouche, comme ça. Non. Si. Après, mais alors, tu lui laissais la fève. Bah non, fève. En fait, elle a 92 ans. Et alors Elle doit être normale. Mais elle voulait quoi? Elle voulait la couronne. Elle voulait la couronne et la fève. La couronne. Mais ouais, c'est pourquoi? Pour Albert. Bernard. Ah oui, merde. Non, mais la mauvaise photo, t'en vas exprès ou on voit Diana qui veut taper Mamie? Je voulais pas taper Mamie! Je voulais. Oh, arrête, je voulais pas taper Mamie, je voulais juste cacher la vidéo. C'est pour ça qu'elle était vénère? Non, elle était pas vénère, elle était triste. Ah bon, ouais, elle était triste, elle a dit je te dis même pas au revoir, Diana. Oh. Mais c'est... elle était énervée contre elle, elle. Quoi? Tu mens? Elle était pas si, énervée contre moi? Si, oui, elle bah, a dit. Moi, j'ai envoyé la photo. Toi, pourquoi tu veux ruiner ma relation? Non, ça sert à rien. Bon bref, et moi je suppose que vous m'avez laissé une petite part de galette parce que vous l'avez coupée en quatre. Oui, mais c'est j'allais dire Albert. C'est Mamie qui a pris les quatre. Bon, c'est Mamie qui a pris les quatre. Les quatre quoi? Bah les quatre galettes. Enfin, les quatre galettes. Les quatre. Tu peux m'expliquer, je comprends rien. Il y a les quatre morceaux de... les quatre parts de galettes. Ça m'a saoulée, elle a dit si toi t'as la fève et la couronne, moi je prends ma galette. Mais wesh. 4 ans. Bref, laissez mamie tranquille. Mais venez, on lui fait un cadeau. Laissez mamie tranquille. Mais c'est quoi? On lui achète une couronne, une vraie couronne. Ok. Et une fève. Elle se fout de la fève. Mais oui, elle veut la couronne en fait. Tu sais, mamie a 83 ans. Et toutes ses dents. Et je pense que surtout genre ressentir que c'est la reine du monde. Ouais, c'est la vieillesse. Oh, écoutez, moi je vais l'appeler. Tu veux des pancakes? Tu veux des pancakes? Qu'est-ce qui se passe? Des pancakes? Non. Mal au crâne. Non. Tu peux se reposer, faire une sieste, Mathilde? Non. Je suis en train de te faire un sac en papier. T'es vraiment pas gentil, toi. On dirait un zèbre. Bah moi j'aime bien. Laisse-la. Toi tu fais quelque chose pour ta mamie peut-être? Non. Voilà. Tu peux faire parler à tes copines que rester avec mamie. Je parle pas avec mes copines. Je fais un jeu. Ah ouais, bah tu préfères jouer à un jeu qu'être avec mamie. Quand je serai morte, quand je serai dans mon cercueil, j'espère que tu vas pas venir me voir. Hein. Bah si du coup. Bah non. J'espère que tu m'apporteras pas de fleurs, hein. Non, je te rapporterai un sac. Zèbre. Non. Bah non, parce que c'est moi qui lui apporterai. Bah non, tu vas lui apporter quand elle sera morte. Tu vas pas lui donner maintenant, là. Si, mais aussi quand elle sera morte, pour en faire venir. C'est Béatrice. Je réponds ou pas? Oui, réponds-lui. Oui. Allô Béatrice. Oui, ça va? Oui. Bah écoute, j'étais en train de faire une sieste, tu m'as réveillée. Oh, la menteuse. Mamie, t'es une menteuse. Chut. Oui, Béatrice, ça a coupé. Désolée, ça a coupé. Toi, tu faisais quoi, toi? Non, mais t'inquiète pas, tu me déranges pas. Tu m'as réveillée, mais c'est tout, hein. C'est pas grave, hein. Tu savais pas que je dormais. Ben oui, ben je t'ai répondu parce que je t'aime trop, hein. T'es trop ma copine, hein, Béatrice. Ça fait longtemps, nous deux, hein. Malheureusement. Oui, tu disais quoi, tu veux quoi? Tu peux pas utiliser la farine. Dans le devant, parce qu'il y a ma petite fille qui me fait chier. Ouais. Tu te tais? Tu te tais? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, désolée. Oui, donc je te disais, non, mais tu peux pas faire ça avec la farine. Avec la farine de maïs, la maïzena. La quoi? La maïs, la misina. Non, la mézina. La mézina. Bah oui, ça, c'est comme ça. M-A-I-Z-E-N-A. Oui, mais il y a un tréma. Tais-toi. C'est mézina. Donc c'est maïzena. N'importe quoi. Oui, tu peux utiliser la farine de blé. Oui, oui, oui. Mais tu ne... Ah ben non. C'est pas... Ah ben non. Bon, arrête de déranger la copine. Ah ben non. Tu peux pas... Écoute, la recette, c'est moi qui l'ai inventée. Tu peux faire à manger. Une chambre, tu fais genre...
La recette, c'est moi qui l'ai inventée, Béatrice. Tu le savais, ça, ou pas? Ah, si, si, moi, j'ai participé à un concours de cuisine et c'est moi qui ai inventé la recette. Exactement, comme tu respires, toi, c'est pas possible. Exactement. T'as un problème avec moi? Mais oui, tu mens. T'étais là quand t'étais pas née quand j'ai fait le concours de cuisine et que j'ai inventé la recette du layer cake. Non, c'est toi qui l'as inventé. Bon, il faut que ton gâteau il gonfle. Bon, c'est bon. Et après, tu pourras mettre la crème. Ah oui. Écoute, fais-le. Et puis tu me rappelles. D'accord? Allez. Ciao. Elle veut utiliser la mésina pour faire un gâteau. Elle veut dire la mésina. Hein. Bah, c'est comme ça que ça se dit. Bah oui, c'est comme ça que ça se dit. Non. Si. Le maïs. Tu dis le maïs. Voilà, est-ce qu'il y a un... parce que quoi? Pourquoi tu dis pas? Parce que ça s'appelle du maïs. Non. Maïzena, il y a un i tréma. Oui, mais t'as le droit de dire mésina parce que c'est mais. Non. Si. Si, mamie, elle a toujours raison. S'il vous plaît, taisez-vous, je dors. Bon, mamie, j'ai fini. Allez, enfin, putain. Allez, je viens. Montre-moi. Allez, dépêche-toi. Tu vas dire que c'est moche. C'est quoi? C'est un sac. Oh. Il est bien. Mais pourquoi on dirait une enveloppe là? Bah, je sais pas. Arrête. Bah, on dirait une enveloppe. Mais c'est très bien. Bravo. Regarde. Et pourquoi il n'y a rien dedans? Bah, parce que c'est pas le mien. Tu aurais pu mettre un peu de sous. Un peu d'argent. Ouais, mais mamie, je suis pauvre. J'ai pas d'argent. T'es belle! Merci. Bon, maintenant que tu m'as fait un sac hyper moche, qu'il sert à rien, est-ce qu'on peut faire un jeu? Quoi? Bon, on fait quoi comme jeu? Ah, je peux choisir comme c'est moi la plus petite. Non, c'est moi qui choisis. On fait la belote. Non, c'est moi la plus petite, c'est moi. On fait la belote. C'est quoi la belote? C'est une bouillotte? Non, on fait le pouilleux. Non, une poule. Bon, putain. Est-ce que tu connais la grande là? Nos jeux à l'époque, ce qu'on faisait? Je choisis parce que c'est moi la plus petite. Ok, s'il te plaît. Ah, mais va lui mettre une tarte. Voilà. Oh là, vous saoulez par contre. Ah, non. Qu'est-ce qu'il y a? On veut faire un jeu. Bah, faites-le, on dirait. Non, avec toi. Mais pourquoi avec moi? Laissez-moi tranquille. Non. Si, tu te lèves. Je te lève. Te lève. Oh. Allez. Comme c'est moi la plus petite, c'est moi qui choisis. D'accord, dépêche-toi. On joue à cache-cache. Oui, bien sûr. J'ai une gueule à jouer au cache-cache, moi. Oui. Non, mais c'est n'importe quoi. Elle a dit oui. Ah ben non. Moi, je joue pas à votre cache-cache. Qu'est-ce que ça? Vous avez un problème. Eh, on mâche comme une vache. T'as vu comment elle mâche, mamie? Tu lui dis rien, les bonnes manières. Oh, la vache. Non, je dis non. Je te lève. Non. Aïe. Aïe. Non. Je veux pas de jouer à cache-cache. Bon, d'accord. Lève ta soeur. Parce que si je me lève et qu'elle se lève pas encore, je vais me fâcher. Je prends son téléphone, elle va se lever toute seule. Oh, j'ai ton téléphone. Arrête. La 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 la. D'ailleurs, c'est à cause de toi. Oh, ma chère amie. Je t'offre un iPhone 15. Ah. Tiens. Merci. Voilà, déjà un iPhone 15, mamie. C'est ouf. D'ailleurs, mamie, à cause de toi, Diana connaît mon code. Du coup, elle prend mon téléphone et elle met le code. Qu'est-ce que tu fais? Bah, si, c'est grave. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur ton téléphone? Elle ne fait rien. Si, elle saoule. Elle te vole pas tes affaires. Non, je joue à un jeu. Bah, voilà. Voilà. On dirait qu'elle te vole des affaires sur ton téléphone. Et je l'ai fait allez, fois. C'est moi qui compte. Allez. Ah. Tu comptes jusqu'à 60. 3. Je compte jusqu'à ce que je veux. Vas-y. 4. 5. 6. Le temps que tu finisses, moi je serai toujours là. Hein. 7. 7. Compte doucement, débile. 20. 16, vas-y. Non mais l'autre, la tricheuse du siècle. Vas-y, va te cacher toi. 27, 28, 29,
30, 31, 36. 30. Elle me voit là, ce moment-là. 60. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Attends, j'étais en train de regarder si tu me vois. Mamie, oui, je vais me lever, hein. Allez, recompte, vas-y. Non. Quoi? Je compte 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, hop. Tu me vois là ou pas? Non. Bon. Alors... Tu m'as pas vu? Non, je t'ai pas vu. Liana, t'es là. T'as fait crier le chat. Mais j'ai rien fait. Mais mamie. Ah! Regarde dans la cuisine. Je t'ai trouvé. Tu me vois? Oui. Mais à la table. Oui, mais arrête, mamie, elle pète. Allez. Lève-toi, je t'ai trouvé. Mais c'est pas gagné la première partie. Bravo. Bravo, dis bravo, mamie. Bravo, mamie. Allez, du coup, c'est toi qui compte. Ouais. Allez, compte jusqu'à 30, c'est bon. Ok, 1, 2, 3. Tu es trop forte à ce 4, jeu. 4, 5. Tu vas où, toi? 27. Tu peux venir me cacher avec moi. 29. Et 30. Cache ou pas caché, j'arrive. Caché ou pas caché, j'arrive. Bah, mamie, je t'ai trouvé. Mamie, je t'ai trouvé. Mamie, je t'ai trouvé. Ah, mais t'as pas de verre. Je t'ai trouvé. Elle est là. Elle est là. Là? Non, mais pourquoi tu le dis? Est-ce que je t'ai dit? Oui. Ouais. Dis la vérité. Non. Dis la vérité. Elle a pas dit. Dis la vérité. J'ai pas dit. J'ai dit, est-ce qu'elle est là? J'ai demandé. Mais tu sais vraiment où j'étais, vas-y, c'est pas grave. Elle est tricheuse. N'importe quoi. Bah non, elle a tué trop en premier. Ah. Hey, c'est moi qui dois compter? Oui. Tu sais compter? Ça va aller. Pas trop dur. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, et 7, et 8. Et 9, et 10. Et 11, 12, 13, 14 et le 15, le 16 et le 17, le 18 et le 19, le 20 pour le 21, le 22 avec le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29 et 30, j'arrive. Caché ou pas caché, la mamie, elle arrive. Bon. Il n'y a pas des cachettes là-haut. Elles sont bien cachées, dis donc. Diana. Eva. Diana. Eva. Diana? Eva? Diana? Diana? Je te vois. Mamie. T'es où? Je suis
derrière toi. Non. Sur le fauteuil. Non. Je suis dans le pot de vase. Non. Je suis dans ta bouche. Non. Je suis sous le fauteuil. Non, mais moi je peux pas me baisser, dis donc. Mais ta voix elle vient de la télé. T'es quand même pas dans la télé. Romy! T'es là toi, mais t'étais vachement bien cachée. Et oui, on m'appelle la meilleure. Oh Diana, je t'ai trouvé. Je t'ai vu, tu lui as dit. Non, c'est pas vrai, je lui ai pas dit. Non, elle m'a pas dit. Ok, bon bah bravo mamie. Voilà. Bravo Eva. Eva, c'est à toi de compter. Bah non, pas du tout. Tu m'as pas trouvé, c'est moi qui me suis montrée. Bah non, c'est elle qui t'a assistée, donc tu comptes. Pas du tout, c'est pas à moi. Tu comptes. C'est pas à moi. Ok, bah je compte sur la côte. Tu comptes ici? Oui. Tu dors pas, hein? Ok. Allez, compte. Moi, je sais où je vais me cacher. Mais de toute façon, c'est bon. Attends. Oui. Non, tu lui dis pas. Hein. Non, je lui dis pas, je m'en fous de ta vie. Ok, vas-y. Vas-y, va te cacher, je m'en fous. Sous la couette. Où ça? Allez, enlève la couette. C'est dingue d'être comme ça. Tu veux me tendre en piège. Ok. Comment t'as fait? Je sais pas. Trop dur. J'étais vraiment. Elle a l'air de rigoler. T'es vachement forte, hein, parce que là, j'étais oui, cachée de. Ça peut la faire, ça me juste par Maya. Mais. Voilà, c'est nul, allez. Bonne t'es pas cachée. Et ouais, elle est forte, hein. Allez, mamie, c'est à toi. Bravo, Eva. Ah non, vous me voyez pas? Non. Mais est-ce que tu me vois comme ça? Non. C'est un truc de fou. C'est toi qui lui as dit, hein, parce que sinon elle m'aurait pas vu. Non, moi j'étais là-bas. Oui, mais tu lui as fait signe. Est-ce que je lui ai dit? Ouais, tu m'as dit. Voilà. Elle me l'a dit. Oh, la tricheuse que t'es. T'es pas sympa, Diana. Mamie, je te promets. Je te promets, en tant que ta petite fille, que je t'aurais jamais fait ça. Mamie, tu sais, elle, c'est une hypocrite. Elle est pas gentille. J'ai trouvé mamie, j'ai trouvé mamie. C'est pas de ma faute. Bon, allez, je compte pour la dernière fois, après je joue plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
gâché ou peu gâché. Regarde. Elle saoule, elle dort. Oh là là, ça saoule, vous me saoulez vous deux. C'est toi le chien. Non, c'est pas bien de dire chien, faut pas le dire. Ouais, je le dis. Bah non, tu le dis pas. Mamie! Mamie, t'as gâché le jeu. Eva aussi, elle est partie. Mmh. Eva aussi, elle est partie. T'as gâché le jeu. Mmh. Mais... Je vais te tirer les cheveux hein, si tu te réveilles pas. Oh là là. Tu mérites même pas ton sac. C'est le pire cache-cache du monde. Du monde. Ça va ma grande? Bah non, ça se voit pas. Non, ça se voit pas, t'as l'air d'aller bien. Bah non, j'ai super mal. Bah ça va là, ça fait longtemps. Hein. Arrête, tu casses mes béquilles. Mais tu les utilises même pas. Même, tu les casses. T'as essayé? T'as essayé? Oui, j'arrive pas. Si, tu vas y arriver. Allez, viens. Le médecin il a dit qu'il faut essayer tous les jours. Allez. Je vais tomber à cause de toi. C'est le médecin. C'est à cause du médecin alors. Non, c'est ta faute. Allez, vas-y. Tu sautes. Ah oui, bien sûr. Alors toi, tu fais pas trop. Tu ferais pas trop semblant là. Non mais viens, essaye vraiment. Ah, je fais mal. Oh, c'est pas mon problème. Vas-y, c'est pas grave. Viens. Non, j'ai mal. Mais c'est ta faute. Mais arrête d'être méchante avec moi, par contre. C'est ta faute. Mais arrête d'être méchante avec moi. Bah, si t'es méchante avec moi, tu pourras pas te relever en fait. C'est moi qui décide de si tu te relèves ou pas. Hein. Je t'explique. Non, je peux y arriver tout. Allez, arrête. Ah oui, donc t'arrives à faire ça, par contre t'arrives pas à prendre la béquille. Vas-y, toute seule. Mais t'es malade. Allez. Arrête, je te tape avec mes béquilles. Arrête, arrête par contre. Non, vraiment t'as mal là. Remets-toi comme t'étais. Mais non, j'ai mal. Remets-toi comme t'étais, là-bas, sur ça. Moi, je suis bien comme ça. Quoi? Ton gros pied, là. Aouh, j'ai mal. J'ai faim. Depuis ce matin, personne ne me regarde, personne ne me parle. C'est bon, j'en ai marre. Appelle maman, dis-lui que j'ai faim, en fait. Tu veux manger quoi? Bah, je sais pas, appelle maman. Du sucré? Bah, appelle maman, moi, je sais pas, j'ai faim. Maman! Mais bah. Va en haut lui dire quoi tu cries. Ah. J'ai jamais content que les enfants. Viens Léa, elle t'appelle. Ah, ça détourne. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? J'ai trop faim maman. Ah, les béquilles. J'en ai marre de toujours passer derrière vous moi. Je dois aller au travail là, j'ai pas le temps. Bah tu oui, peux mais... t'occuper de ta bah soeur, oui, s'il te plaît. Mais elle veut rien faire. Mais elle ment. Allez, lève-toi, occupe-toi de ta soeur, j'en ai marre moi. Je dois aller au travail, mon patron il vient de m'appeler, il m'a dit que t'es déjà en retard. Elle veut même pas marcher avec mes béquilles. Bah c'est normal, elle y arrive pas, elle va s'obliger hein, et se faire mal encore. Je peux comprendre ça. Après c'est comme ça que je suis tombée, elle m'a même pas aidée. Non mais si tu te comportes comme ça, je moi crois que je l'ai pas aidée, elle veut pas, elle s'est levée toute seule. Oui parce que t'as été méchante avec moi. Mais bon, tu vois comment t'es là, tu m'énerves en fait. Comment ça? Moi je devrais être gentille avec toi, c'est toi qui devrais être gentille avec moi. Je t'as un truc? Bah non. Bon, attendez. Elle veut que je sois gentille avec elle. Mais est-ce que je peux vous faire confiance à toutes les deux? Mais c'est elle qui devrait lui faire confiance. C'est vrai que c'est toi qui devrais être un peu plus gentille avec elle, c'est quand même casser la jambe. Mais comment tu vas être gentil avec quelqu'un qui est péchant? Non mais tu fais plus d'efforts. Okay. C'est normal, elle prend des médicaments et tout, elle est un peu sur les nerfs. C'est normal, toi aussi si t'avais ça, je pense que tu serais pas bien. Hein. Ouais. Mais ben oui. Allez, tu peux lui faire à manger s'il te plaît? Ou je sais pas, t'as mangé quoi ce midi? Parler, personne m'a rien fait. Si, t'as mangé des pâtes. Ah oui, des pâtes au ketchup.
Oui, t'as mangé tes pâtes. Ça te suffit pas? Ah, j'ai super faim. T'as encore faim? Bah, tu veux pas lui faire un truc? Parce que là, si, je dois vraiment lui faire. C'est bon, je vais lui faire. C'est bon. Et tu me saoules, hein. Maman! Tu dis à maman que je suis méchante avec toi alors que c'est faux. Maman! T'as vu comment tu mens? Je vais le dire. J'ai compris maman. Que t'étais une menteuse. J'ai compris que t'étais une menteuse. Maman, Sira, elle a dit que je la saoulais. Maman! Léa, elle a fait tomber les béquilles par terre, elle les a jetées! Non, arrête. Bah, je te jure. Maman, tu peux me faire confiance. Je te promets, en tant que ta fille, que je n'ai jamais fait ça. C'est elle vient de courir. D'accord, je vais faire ça, moi. Je vais courir, je vais jeter le truc. Tu fais pas c'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil, surtout que votre mère. Mais... Votre mère maman, j'ai pas fait ça. Je m'en fous de qui a fait quoi. Pourquoi tu fais ça en fait? J'ai mal au dos. T'as 4 ans. J'en ai marre. T'as pas 4 ans à faire ça. Bon, toi, on a compris que tu mentais depuis le départ. T'as dit que tu dis des trucs faux. J'en ai marre. Oui, mais. Alors, vous savez quoi, moi, je m'en vais. Tu sais quoi, t'as faim, tu vois avec ta soeur. Toi, tu t'as truc, tu vois avec elle. Moi, je rentre ce soir et on va voir si je peux te faire confiance. Si tu t'occupes mal de ta soeur, tu vois ta semaine de vacances là. Avec tes copines que tu voulais aller. Eh ben, tu iras pas. Parce que si tu sais pas t'occuper de ta soeur, ça veut dire que tu sais pas t'occuper de toi. Je te l'ai dit. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? T'as pas le droit de regarder non plus. Arrête. Moi, je t'ai dit. Tu fais ce que tu veux. Tu veux pas. De toute façon, moi, j'ai pas le choix. Je dois aller au travail là. Donc, soit tu t'occupes de ta soeur et tu pourras aller faire tes vacances. C'est donnant-donnant, Tira. Ouais, ok. Soit tu veux pas, ben tu t'en occupes pas. Elle crève de faim, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je peux pas être là. Je peux pas être là, je dois aller au travail, d'accord? Bon. Quoi? Tu veux bien t'occuper de moi? Oui, c'était gentil. Oui, mais c'est toi qui devrais être la plus gentille. Oui, mais tu dois être gentille aussi. Oui, mais c'est toi la plus gentille. Oui, je suis la plus gentille, mais tu dois être gentille aussi. Oui, et mets bien ta jambe. Tu ne peux pas faire ça normalement. Mais non, ça, quand je fais ça, mon sein il bouge, ça me fait mal. C'est mieux comme ça? Non. Bon, viens, bisous. Mouah. Tu veux quoi? Ça fait mal. Je vais chercher mes chips. Où? Bah dans le placard. Non mais non, là on va pas manger des chips, on va manger. S'il te plaît. S'il te plaît, je veux des chips. S'il te plaît. Je veux vraiment ça pour mes vacances. Crois pas. Je vais le dire. Ah maman, trop... elle le sait très bien. Ça se fait trop pas. Donc tu t'en fous que je vais bien ou pas? Ça se fait trop pas. Et ma tablette, s'il te plaît. Non, tablette. Livre. S'il te plaît. Non, j'ai fini. J'ai fini. Non, tu l'as pas fini. Si. Vas-y, interro surprise. Vas-y, tu peux le faire à la fin. Viens, c'est faire interro. Donne. Pourquoi? Ouais, mais après, comment on sait c'est quoi la bonne réponse? Ah, c'est à la fin. Ouais, c'est en bas. Okay. C'est là. Pourquoi? Oui, j'ai compris. Elle fait à l'envers. Pourquoi avons-nous un squelette? Bah, comme ça, je le savais déjà. Bah, pour bouger, pour avoir et des non. muscles et tout. Mais attends, t'es une grosse tricheuse. Quoi? Tu dois dire, par exemple, A, nanani, B, nanani, ou C. Pourquoi avons-nous un squelette? A, pour bouger, B, pour se déguiser, C, pour tenir debout. Pour tenir debout, C. Mais tu croyais que c'était bouger. Non. Pourquoi les bateaux flottent-ils? Parce qu'ils sont plus légers que l'eau, parce qu'ils sont plus légers que l'air, parce qu'ils ont des nageoires. Parce qu'ils ont des nageoires. Un bateau, ça a des nageoires. Bah oui, le truc est tourne là. C'est ce que c'est une nageoire? Oui. C'est ce que les poissons, ils ont. Non. Ça... Si, la réponse était parce qu'ils sont plus légers que l'eau. T'as compris? Allez.
Pourquoi l'orage fait-il du bruit? A, parce que les éclairs font vibrer l'air. B, parce que les éclairs frappent le sol. C, parce que les nuages sont en colère. La A. Oui, parce que les éclairs font vibrer l'air. Bon, j'en ai marre, tu peux aller me chercher ma tablette, elle est dans ma chambre. S'il te plaît, vacances. Merci, merci. Je vais écrire vacances sur ta tête pour m'en rappeler. J'ai soif. Tu veux quoi? Je sais pas. On veut des pommes? Ouais. Merci. J'aime bien toi. Je fais une sieste. Tu dois me surveiller. Ben là, je dors. Ok. Oh, Syrah, j'ai plus de batterie. Regarde. Dommage. Tu peux aller me chercher mon ordi? Non, mais... Aïe! Tes vacances! Aïe! Aïe, mon pied, toi, et tes vacances! Donc c'est cette jambe maintenant que t'as mal? Non. Je sais pas, tu tiens cette jambe? Oui, parce que ça me fait mal. Le docteur, il m'a dit, tiens cette jambe quand t'as mal à celle-là. Oh. Aïe, mon ordi! Tes vacances, aïe! Donne-moi un peu de chips! Alors d'abord, ramène-moi de mon ordi. Aïe! C'est bon là? Ouais. J'en veux. Oui, mais je te donne, je t'en donne moi-même. Mon paquet. Voleuse. Tu m'en chercheras d'autres. Non. Si. Vacances. Ouais, oui, non, des. Ah, là, donc t'as plus mal. Hein. Bon, c'est bon, Diana, je peux monter dans ma chambre, t'as pas besoin de moi là? Non, c'est bon. Ok, Syrah, elle t'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, j'ai un problème, vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'était hyper urgent. Pourquoi ce genre t'es soufflé? C'était hyper urgent. Qu'est-ce que t'as? Tu peux me donner la télécommande, vite, c'est hyper urgent là. C'est une blague. Non, vite, c'est hyper urgent. Mais c'est une blague. C'est une blague! C'est presque parfait qui va se terminer là! Qui va commencer! Non, c'est une blague! Non, c'est pas une blague, vite! Mais. T'es complètement taré! Vraiment! Mais si! On appelle pas les gens pour ça! Vite, viens! C'est hyper grave! Tu vas la regarder comment? Tu vas faire comment pour regarder, dis-moi? Comme ça. D'accord, là t'es pas du tout bien. Tu pouvais pas prendre ça, toi. Bah non! J'arrive pas à bouger! On va voir si tu pouvais ça. Allez hop, pose ça. Pause! Pose-le, écoute-moi! Cette jambe, tu peux la bouger, je sais très bien, me prends ma poignée. Oui, mais ça me fait mal. Ah, j'ai trop mal là. Plie-la. Plie-la, allez! Voilà, allez. Elle n'arrive pas à bouger en fait, elle est bloquée. Bien sûr. T'as réussi à te lever, te t'asseoir, tomber, monter. T'arrives pas à prendre la télécommande. C'est ton. Oui, d'accord. Mais prends avec l'autre main. Tu m'en as donné. Non. Vacances. Prends. Vacances. Prends. Mais arrête de faire semblant. Allez. Attrape, ferme la main. Attends, ça fait mal. Moi non plus, j'y arrive pas. J'arrive
tout de suite. Déjà, tu lâches ton téléphone. Je vais appeler maman. Prends ça et t'arrêtes. Ah bah, c'était pas compliqué. T'as plus le droit à ça. Oh. T'as plus le droit à ça. Ouais. Ah, t'arrives à faire ça par contre. Bah oui. Ça, c'est pas accepté. Vite! Tu ne peux pas le prendre, tu ne peux pas le prendre. Ah! Ah bah voilà, on a trouvé quelque chose pour que tu te débrouilles toute seule. C'est parfait. Ah! Mon ordi! T'inquiète pas, il est là. Donne-moi! Tu me menaces? Donne-moi! Tu vas faire quoi avec ton livre? Je vais le jeter dessus. Tu peux me ramener aux toilettes, j'ai hyper mal au ventre là en fait. J'ai bu toutes mes chips. En fait. Tu peux demander s'il te plaît? Enfin, s'il te plaît, ou c'est impossible? Non, j'ai aussi mal. Arrête, par contre, si tu me dis pas s'il te plaît. Non, j'ai un problème mental que j'arrive pas à dire s'il te plaît. Arrête en fait! Bah, c'est le docteur qui m'a dit ça. Donc, tu peux demander gentiment et dire s'il te plaît ou pas? C'est pas drôle. J'arrive pas. Arrête. J'arrive pas. Donc, c'est comme ça qu'on parle aux gens, on leur demande des choses sans dire s'il te plaît? T'auras pas tant que tu diras pas s'il te plaît. C'est bon, là, je l'ai non, dit. Non, dis-le. Non, t'as pas d'humour ou quoi? C'était une blague. S'il te plaît. S'il te plaît. Bah, porte-moi. S'il te plaît. Bon, c'est bon. Je vais t'enfermer dans les toilettes, toi, tu vas voir. Allez, viens. Vas-y, essaie. Ouais. Essaie pour voir que je le dis à maman. Ah ouais. Et que tu vas être privé de sortir pendant un mois. Tu vas être privé de bouger pendant 24 heures. Tu vas moins rigoler. Quoi? Il fait hyper mal! N'importe quoi. Allez, viens, tu peux poser le pied par terre, fais pas son nom. Non, j'ai trop mal. Tu l'as fait tout à l'heure. Non, arrête. Elle touche pas mes cheveux, je vais. Attends, tes cheveux, c'est comme des corps, c'est trop mal. Attends. Quoi? Toujours un problème. Non, mais tu veux me porter comment là? Tu me portes comme une princesse. T'es pas une princesse. Une princesse, t'as pas une grosse. Un gros plâtre. Arrête de te mettre sur moi par contre, en fait. Moi, quand tu fais ça, comment tu veux que je me lève si tu te mets comme ça? Vas-y, debout-toi. Tu réfléchis dans ta tête ou pas? Mais vas-y, lève-toi. Mais t'es lourde. T'es plus lourde que moi, presque. Non, mais tu vois ce que tu fais, tout ce que t'arrives à faire? Je me force pour toi. Aïe! Vite, allez, on se dépêche. J'ai mal, j'ai le tendinite. J'ai le tendinite. Débrouille aux toilettes, non, non. Pas non plus te nettoyer le. J'ai une tendinite, tu fais gaffe. Non, c'est vrai. Allez, vas-y. Oh, j'ai mal au poignet. Vas-y. Ça, c'est parce que t'as été. Aïe, méchante avec moi. Allez, bonne soirée. Oh, m'a fait mal au poignet. Non, mais elle, c'est sûr, elle ment. Je le sens, elle ment. Faut que je trouve un truc. Pour qu'elle montre qu'elle ment. Et comme ça, je pourrais aller en vacances et elle se fera engueuler. Compris. Syra ? Quoi ? Tu peux venir ? Quoi ? Bah, aide-moi ! Ouais, j'arrive. Vas-y, viens vite ! J'ai mal. Tu t'es lavé les mains ? Bah oui, tu crois pour qui ? Je te porte pas, j'ai mal. Vas-y, appuie-toi sur moi. Alors sur mon dos. 1, 2, 3. Mes cheveux, tu me tires les cheveux. Vas-y, mets un pied. J'en ai marre, j'ai faim. Moi aussi j'en ai marre, t'inquiète pas. Tu veux un gâteau? Ouais. Mets un gâteau avec du Nutella. Je vais aller faire son gâteau préféré, on va voir si elle sait pas marcher.